On fait quoi là? Seb? On fait quoi là? Un jeune homme sort de l'immeuble. L'arrivée des policiers semble le déranger. Ok. On fait quoi là? Hein? On fait quoi? On avance, hein, on bouge. Hein. On fait quoi là? On fait quoi? Et toi, tu fais quoi? Hein? Les enquêteurs tombent nez à nez avec une dizaine de squatteurs. Attends. Cassez-vous là, cassez-vous. Dans la police. Ça va parler toute la police. Non, allez, laisse-nous faire notre boulot. La tension monte. Les jeunes deviennent très menaçants. Ici, c'est leur territoire. Regardez attentivement ce jeune homme à gauche de l'écran. Dans sa main, une bombe de gaz lacrymogène. Pour l'instant, il se tient à l'écart. Elle roule. Elle a pas, sortez. Deux secondes. Bon, c'est où? Deux secondes. Bon, c'est où? Sortez. Julia et Jean-Manuel tentent malgré tout de rejoindre le lieu du viol. Mais pour les squatteurs, pas question de laisser la police monter dans cet ascenseur. L'homme à la bombe lacrymogène revient à la charge. Lionel, ici à gauche de l'écran, s'interpose. Et ça va dégénérer. Après cette agression au gaz lacrymogène, qui c'est qui s'amuse à gazer comme ça? Les squatteurs s'éparpillent. Complètement aveuglés, Lionel est cloué sur place. Oh, hey, tu arrêtes un peu, toi, d'accord? On est là 2 minutes, ok? La gonzesse là, on est là pour elle, d'accord? On n'est pas là pour nous, hein? Allez, venez, hey, Lionel, viens. Lionel, sors, on reviendra après. Tais-toi un peu, toi. Jean-Manuel, le chef de groupe, opte pour la prudence. Ouais. Il décide de se replier. Bon, allez, va jouer. Ah hey. Oh, hey, tu n'as pas à nous dire ce qu'on a à faire, t'as compris? Tu nous dis pas ce qu'on a à faire, toi. D'accord? Ouais, mais ferme-la. Toi aussi, tu fermes. Allez, mollo. Arrête ton cirque. Les jeunes ne vont pas s'arrêter là. Ils sont déterminés à en découdre. Après les gaz lacrymogènes, les jets de pierre. Ferme ta gueule. Tu fais ça, on va revenir. Alors arrête ça tout de suite. Mais non, ça parle tout. Alors arrête ça tout de suite. Allez. Vas-y, recule. Laisse-les. Ultime provocation, les jeunes dansent devant les forces de l'ordre. Bombe lacrymogène à la main. C'est un squat, hein. En se repliant, les policiers pensent avoir évité le pire. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, avec ta batte, là? Qu'est-ce que tu veux faire, ta batte? Mais l'un des jeunes revient à la charge, une batte de baseball à la main. Qu'est-ce que tu veux faire, ta batte? Touche-moi ça! Vas-y, touche-moi ça! Allez, tu recules! Touche-moi ça! Allez! Touche-moi ça! Allez, lâche-nous la gratte, toi! Lionel garde son sang-froid. Il met juste la main sur son arme. Un geste qui fait enfin reculer le jeune homme. Voilà, lâche-nous la grappe, toi. Oh. Oh, vous êtes des fous, vous. Faites quoi, vous? Eh, par là, vous la merde, toi, vous. Allez. Vous êtes pour moi. Pour rejoindre leur voiture, les policiers n'ont qu'une issue. Suivre ce long couloir bordé de palissades. Plus que 200 mètres à parcourir. Mais les pierres se remettent à pleuvoir. Vous revenez ici, ça a été coup de poing que je vais foutre dans la tête. Attention. Ouais, on va voir, t'inquiète. Attention. Ne cours pas. Non, arrête de filmer, tu vas être ici. Attention. Ça, y a pas de bobo? C'est bon, là, ils viendront plus, là. Mais nous, on va revenir.